السلام عليكم اخوان اخوات، مرحبا بكم في هذا لا نوفيل فيديو sur la nouvelle organisation territoriale conformément à la constitution et aux lois organiques 111 112 113. Donc maintenant je finis la première partie sur la loi organique 112 14 relative aux préfectures et aux provinces, et il y a les conditions générales de la gestion démocratique des affaires de la préfecture ou de la province. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie sur les compétences de la préfecture ou de la province. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir les dispositions générales, les compétences propres. Nous allons citer les compétences partagées et les compétences transférées. Commençons par les dispositions générales. Les missions de la préfecture, en vertu de l'article 78 de la présente loi, la préfecture ou la province est chargée à l'intérieur de son ressort territorial. Donc, la préfecture exerce les missions de renforcement de la coopération, promotion du développement social, la mise à niveau de l'infrastructure rurale et urbaine, et la mise en œuvre de programmes de développement que nous allons voir. Dans cette vidéo, nous allons détailler ce programme. La préfecture exerce ses missions en prenant en compte, en cas de l'émission, la préfecture exerce ses missions, les OMADO, le renforcement de la coopération, la promotion du développement social, mais dans le cadre des grandes orientations de l'État, dans le cadre des politiques générales et les stratégies de l'État dans ces domaines. À cet effet, la préfecture ou la province exerce des compétences propres, partagées et transférées par l'État. Commençons par les compétences propres. Al-Ikhtisasat Dhatiyya. Les compétences propres comportent les compétences dévolues à la préfecture ou à la province dans un domaine déterminé. Donc, il y a l'ikhtisasat, al-mokula, ila, al-amalat, wal-aqalim. Ces compétences résident dans le domaine de développement social, les lois, les faits, par exemple, assurer le transport scolaire dans le milieu rural et urbain, donc chauffeur, naql mdrassi, fi mjal qaraoui wa al-hadari, la mise en place des programmes de lutte contre la précarité et la pauvreté, donc des programmes de muharabat al-faqr wa al-hashasha, et le diagnostic des besoins en termes de santé, logement, enseignement. L'infrastructure. La réalisation et l'entretien des pistes rurales. Diagnostic des besoins sportifs. Sur la base d'une approche participative, قاربة تشارك بين الجماعات الترابية في الجهة. La préfecture ou la province procède à la préparation du programme de développement de la préfecture province et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation. Donc l'actualisation commence à partir de la troisième année.
Donc la préfecture ou la province مكلفة بإعداد بروغرام دو ديفلوبمون مشروع ورش التنمية. Donc un programme de développement les Huawei. Donc le conseil de la préfecture ou la province met en place au cours de la première année. Donc الولاية ديالو في السنة الأولى من الولاية ديال مجلس الإقليم الجديد met en place au cours de la première année du mandat un programme de développement de la préfecture ou de la province. Donc, le conseil met en place le programme de développement et veille à son suivi. Bon, son actualisation. تجديد هذا الورش اي سون ايفالياسيون و تقييمه. لو بروغرام اي فيكسي بور 6 ans. دونك هذا البروغرام كديرو المجلس بور ان دوري دو 6 ans اي فيكسي بار فوا ريغلومونتير. La procédure d'élaboration du programme ainsi que son actualisation et son évaluation. Donc, tu fixes un plan d'endémé qui fait aider à l'ouvrage ainsi que son actualisation et son évaluation. Le programme de développement doit comporter un diagnostic des besoins et les potentialités de la préfecture province, un bilan fait les besoins et les potentialités de la préfecture, et une identification de ses priorités, et une évaluation de ses ressources et dépenses prévisionnelles. تقييم موارد و لي ديبونس المتوقعه لي ديبونس وما التكاليف المصاريف المتوقعه. passons maintenant aux compétences partagées. La préfecture ou la province exerce les compétences partagées entre elle et l'État dans les domaines suivants. La mise à niveau du monde rural dans les domaines de la santé, de l'infrastructure, de la formation et de l'équipement. Le développement des zones montagneuses et oisiennes. Les programmes de désenclavement du milieu rural. La contribution à l'alimentation du monde rural de l'eau potable et l'électricité et la contribution à la réalisation de l'entretien des routes provinciales. La mise à niveau social dans les domaines de la santé, éducation, du social et du sport. Donc, à Douma, les compétences partagées entre l'État et la préfecture et par voie contractuel بشكل تعاقدي. Le dernier chapitre, les compétences transférées. Donc les compétences, la préfecture exerce les compétences qui lui sont transférées par l'État dans le domaine du développement social et la réalisation et l'entretien des petits et moyens ouvrages hydrauliques en milieu rural. Lors du transfert des compétences de l'État vers la préfecture, sont pris en compte les principes de différenciation et progressivité. Les compétences transférées sont transformées
compétence propre en vertu d'une modification de la présente loi. Merci pour votre attention. كنتمنى انكم استفدتوا معايا شويه في هاد لا فيديو. Donc on se voit dans la prochaine vidéo inchallah.